C'est 0-0, en espérant que ça va, que les choses se passent. J'ai un petit message à faire passer aux frères. Alors évidemment, il y en a qui vont être concernés, d'autres non. D'autres, c'est dans leur nature, mais d'autres. Mais bon, même si qu'on soit concerné ou pas, c'est un message commun et on englobe tous les hommes dedans. Mes frères, quand vous trompez vos femmes, pensez à vous protéger un petit peu, tu vois. On fait tous zina, on va tous cramer en enfer. Rabbi Adina, avec tous les défauts qu'on a. Mais essayez de penser à ça quand même. Tu dors avec elle tous les jours, elle t'a ramené des enfants. Et toi, t'es là, tu la trompes avec la première crasseuse et tu veux pas te protéger. Parce que life is plastic, is not fantastic. Non, il faut penser à elle. En plus d'être égoïste, t'es encore pire égoïste. Parce que non seulement tu la trompes, mais en plus tu te protèges pas. Tu penses à ton plaisir personnel. Parce que les gens diront que c'est mieux sans. Donc faut faire attention à ça un petit peu. Ta femme, tu la sors de chez son père. Ah oui, les frérots, un minimum. Tu vois, un minimum. Tu la sors de chez son père. WW, 0 km, Naura, Wardage, Jida, tout ce que tu veux. Et toi, tu lui emmènes dans ses orifices des champignons de Paris, ou le même champignon que moi j'ai ici. Parce que moi j'ai trop frotté mon crâne lisse sur des gros boules. Non, plus sérieusement, wallahi l'adim, il faut vraiment faire attention à ça. Je suis pas là pour donner des leçons de morale, trompe pas ta femme, trompe. Ça c'est toi, tu fais ce que tu as envie de faire, mais un minimum. Un minimum, est-ce qu'elle mérite? Déjà, tu fais chauffer la carte bleue pour une crasseuse qui mérite même pas un grec à 3 euros. Et en plus, tu vas ramener à ta femme, celle avec qui tu vis de tous les jours, celle qui lave tes caleçons, Léopoldo, tu vas lui ramener des maladies, des starfallah l'adim, parce que on est tous des chiens, et quand on voit ça, on est excité, on n'y pense plus, bien sûr. On n'y pense plus à tout ça. C'est les hormones. Mais les hormones ne doivent pas justifier la destruction de la mère qui t'a emmené les enfants quand même. Un minimum. Donc, je sais pas, vous voulez tromper, vous faites ce que vous voulez, mais protégez-vous au moins. C'est quand même dingue. Le pire, c'est que tu satisfais pas ta propre femme. Tu te satisfais ailleurs et en plus, tu prends des risques que tu lui redonnes pour faire semblant. Parce que bien sûr, il y a des gens, ils sont obligés de prendre des cachets pour prouver, pour faire leur devoir conjugal. Parce que s'ils ne prennent pas ce cachet-là, tellement ils pignent toute la journée, ils ne pourront pas répondre au devoir conjugal. Et c'est là où elle va faire des histoires et s'il va voir ailleurs. Donc il y en a, ils prennent des cachets, les petits bonbons là. Ouais. En plus, tu fais des trucs de fou. Tu es dans des hôtels miteux où le sida il te croise, il te serre la main. T'es dans des chambres miteuses en train de manger des kebabs avec une remja qui pue des pieds. Et tu lui bouffes, tu la bouffes. Et après, tu rentres chez toi, tu fais des bisous à tes enfants. Les frérots, buvez de la Javel. Au moins, bois de la Javel, bois un litre. Après, tu fais la bise à tes enfants. Non, mais ça, on n'y pense pas. Pensez-y, c'est très, très important. Hmm?